propague, elle propague. Oh. Je vais aller voir. Vous êtes le 18. Non, le 18. Ouais. Attention, 9, bravo Charlie, 555. 9, bravo Charlie, 555 pour 14 km. 3301 qui t'appelle en mobile, en direction du pont. Oh, ça parle chewing-gum. Oh, j'ai entendu parler chewing-gum, mais pas québécois. Moi-même, j'ai démarré un direct là sur YouTube. Évidemment, ceux qui verront pas le direct, mais dommage. Parce qu'il y a de la propague de partout. On voit à l'écran là ce que ça donne. Et une fois de plus, on remarque que c'est surtout du côté des 40 canaux que se trouve la propague. Attention le Québec-Canada, attention 9, bravo Charlie 555 pour 14 km, 3301 Rémi qui te lance appel à mobile depuis la route en direction du pont. Ah, il n'est plus là. Soit c'est lui que j'entends trop QRP derrière, ou alors il est en train de bosser. Enfin, mais il est quoi? Il est 12h55 chez lui. CQ DX, appel sur la fréquence moniteur des kilomètres pour 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis les environs de Saint-Émilion. CQ DX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis les environs de Saint-Émilion sur le sud-ouest de France. C'est quoi cette mélodie là qui passe derrière, hein? Ça c'est de la transmission de je sais pas quoi. Oh,
y a du monde. Hein. Qui a dit qu'il n'y a plus personne 119 hein. Attention, station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis les environs de Saint-Émilion. Attention, station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis les environs de Saint-Émilion. Ah, quand la propague est là, elle est là. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis les environs de Saint-Émilion. Attention le Québec-Canada, attention Québec-Canada pour 14 km, 3301 Rémi qui lance appel en mobile depuis Saint-Émilion, sud-ouest France. Rhode Island.
tout cas. Pas entendre ce QS Drac. Attention le Québec-Canada. Attention, 9 bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 qui te lance appel en mobile depuis Saint-Émilion. Ah, je crois qu'il y a un QS sur derrière. CQDX, appel en direction du Québec-Canada, appel en direction du Québec-Canada qui propose un QSY sur le 27-625, 27-625. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Saint-Émilion. Ça marche pas. Québec, mais disons là que bon,
n'étais pas préparé à prendre des appels ici et là. Sinon, j'aurais fait un appel général au 555, puis je m'avais mis sur une fréquence en particulier, là, que si les gens veulent bien communiquer avec moi, ben, je vais devoir faire un nouvel appel au 555, puis puis décider d'une fréquence qui est là, qui va monter, parce qu'il n'y a pas trop, beaucoup là, de stations ici, là, que j'en fais de facile pour moi là, que pour d'autres. Alors, je t'en donne un micro, Lionel. Je sais pas, là, comme j'ai dit, il y en a un qui t'appelait. Alors, je sais pas si tu l'as entendu lors de, avant que je reprenne la transmission. C'est quoi, Lionel? Ah oui, Serge. Alors là, j'ai aussi des gens du sud,
le Brésil à Chataro, là, je pense que ça rentre très très fort chez moi. Puis j'entends des conversations de toutes parts, là, puis en même temps, mais même des fréquences à côté de moi, il y en a le son costaud aussi, là, donc pas toujours facile de bien vous entendre là, quand que deux et trois personnes essayent plus de se mettre à jaser ensemble. Alors, je t'en prie le micro, Daniel, si t'as entendu la dernière transmission, je t'en prie le micro. Je te laisse sur le direct. Ah, il y a de la propague. Hein. Et ce que je vous disais tout à l'heure, du côté des 40 canaux, hein. C'est chargé. Bon allez, j'ai un métier moi. Les 73, 51 à tous. Et à plus tard. Et il y a encore de la propague. Vu l'heure, quand même là. Alors, j'écoutais tout à l'heure sur le direct là, qui est toujours en cours hein, d'ailleurs là. Et... Le temps de rentrer à la maison pour le stopper. Ça s'était un petit peu calmé là, j'ai écouté vers 23h10, 23h15 par là. Et c'était surtout du côté des 40 canaux qu'il y avait d'activité. Oh oui! Ouais, toujours les Américains.
plus on descend, plus le signal monte. Ça parle chewing-gum. Et au fait. Attention 9, bravo Charlie 555. Attention 9, bravo Charlie 555 pour 14 km 3301. Rémi qui t'appelle. J'ai pas de montre à d'aiguille sous les yeux, ça doit faire 17h35 si je ne m'abuse, quelque chose comme ça, enfin 37 on va dire, il pourrait être en fréquence. CQE DX, appel en direction du Québec Canada, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi en mobile depuis Saint-Émilion. Ah, elle est plus basse en fréquence, ça propagne. Bah, déjà, c'est léger. Bien un petit peu limite là. Au niveau force signal. Je connais pas la langue. Allez,
Ça vous dit? Ok. Sens unique ici pour aller dans le centre, il faut que je fasse tout le tour. Du bas de la bande que se trouve la propague. Banlieue de Saint-Émilion.
t'es sur quelque chose où il n'y a rien, moi ça m'intéresse pas. J'attendais arriver à droite, mais bon, ça s'est fait autrement. Ah, là. J'imagine qu'on n'a rien entendu sur la caméra. Je disais donc que ceux qui cherchent une idée de restaurant, il y a des trucs pas mal sympas par ici. Je ne connais pas particulièrement. Hein. Mais bon, il suffit de voir comme ça en passant. Ah, par contre, le stationnement ici, c'est payant partout. Hein.
samedi soir. Voilà, c'est fini les vibrations sur la caméra. Ah, j'aurais pu prendre à droite. Allez, c'est bon. Il sera tombé au même endroit de toute façon. T'es bien sûr, t'es une de ces forces. Je le regarde le signal. Tiens, pourquoi pas en bleu? Sur les routes, ben c'est des sangliers, des chevreuils. Bon, des lapins aussi, hein. Et des lapines. Ah oui, quand je dis Gilles, c'est Gilles du Québec, hein. 9, bravo Charlie 555. Par contre, des orignales, t'en trouveras pas ici. Hein. Ah, je crois que c'est ça, Aurélien, si je me souviens bien de ce que tu m'as dit. Ça passe plus bas, c'est étonnant que là il n'y ait personne. Ah si, je suis au bon endroit. 38 LSB. Je suis bleu. Merde, pardon. J'ai pas fait exprès. Ah mais non, j'étais. J'étais en USB. En roulant, j'y vais à la bug. Enfin, pas pour rouler, mais pour changer de mode et tout.
c'est là la pompa qui va être là une bonne partie de la nuit. Putain, ça me rappelle un truc. J'ai écrit un message, je sais plus sur quel forum. Le mec, il affirmait que du moment que le soleil est couché, eh ben les ondes radio, ça passait plus. Ah, je me suis dit, lui, il est très fort. Si là, on en tient un bon. Ah oui, c'est sur un forum survivaliste. Ah, bien entendu, je l'ai laissé dans sa croyance. Je trouvais ça trop drôle. Hop là, j'ai entendu mon Québec. Je pense que je me suis trompé. Au sérieux. En fin de compte, c'est eux qui ont raison. Ça me rappelle, ça me fait penser à une réflexion que j'ai vue là, ces jours-ci. Quelqu'un qui fait de la CB, du 27 mégas, et qui répond, non, moi je fais pas de la CB, moi. Je fais de la radio, on n'est pas du même monde. Hein. Aïe, 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 il y a des pétos quand même. Hein. Mais sans que si on est du même monde, hein. On partage la même passion. On prend un micro, on tchatche dedans. En fin de compte, ça se limite à ça. Hein. Et on se fait plaisir comme ça. J'espérais qu'on croise un chevreuil ou un sanglier. Mais bon, là c'est pas gagné. Allez, je suis plus très loin. Putain, c'est Yvan. Les 73, 51 à tous. Bon, là, je dois me décaler pour être en forme après tout le week-end en nuit. A plus.